Ok, donc là ça devrait fonctionner. Oh, ouais, ça c'est suite, ouais. Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, une vidéo dans laquelle. Enfin, on va recommencer. Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spécial, une vidéo que je m'étais promis de pas faire, mais que je vais faire un petit peu quand même. Voilà, enfin, c'est une vidéo dans laquelle. Non, je sais pas. Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après plus de 2 mois d'absence, parce que j'ai plus d'ordi, on va se retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, il n'y aura pas de code, il n'y aura pas de massacre, il n'y aura pas de gameplay, il n'y aura pas de gameplay du tout. C'est une vidéo un petit peu réponse à ce qui se passe en ce moment. Je m'étais promis de ne pas en faire, mais au final, je vais en faire une parce que voilà, il y a pas mal de problèmes qui tournent en ce moment. Et sans vouloir trop répondre, sans vouloir trop répondre comme je m'étais promis pour pas leur faire plaisir à certains. Je vais tout simplement vous montrer mes stats sur Twitch parce que beaucoup de gens, comme vous devez ça, enfin comme vous l'avez certainement entendu, m'attaquent tous les jours en disant que j'utilise des bots. Et c'est un truc, j'en peux plus quoi, j'en peux plus du tout. Ça m'énerve, je comprends pas comment on peut dire ça. Et du coup, je vais vous montrer tout simplement mes statistiques sur Twitch. On va pas dire que je suis un grand adepte de tout ça, de des bots et tout, donc voilà, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc je vais vous montrer tout d'abord quand j'ai commencé tout simplement. Donc à mes tout débuts, donc on peut voir que le premier jour que j'ai commencé à stream, c'était le 15 mai. Le 15 mai, je sais pas, mardi 15 mai. Et j'avais 3 viewers au grand maximum. Voilà, on peut voir tout en jour et en temps et en heure. On peut voir que merde, j'y arrive. Je suis arrivé, c'est tellement petit, hein, ça a duré une fraction de seconde. Le 7, le samedi, je suis arrivé à 7 viewers. Et on peut voir que dans le mois de mai, le maximum qu'il y a eu comme viewers sur mon live, c'était 56 viewers sur le live. C'était donc le. J'y arrive. C'était le 23 mai. Voilà, donc c'était mes tout débuts sur Twitch. Voilà, on peut voir que j'ai vraiment commencé le 15 mai. Je vous mens pas, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde sur mes lives. Ensuite, au mois de mai, ensuite, au mois de juillet, on peut voir mes statistiques pareilles. Donc, le maximum au mois de juillet, c'était. Ça a duré vraiment des fractions de secondes parce que je suis dans les maximum viewers. On peut voir que le. Je sais pas, les gars, j'y arrive pas du tout. J'étais à 59 viewers, c'est le grand maximum du mois de juin. En temps normal, je tournais autour des, on va dire, 30 viewers au mois de juillet. Donc, c'était les grandes vacances. Je pense que beaucoup de gens étaient en vacances. Et du coup, ils sont venus sur le live normal. Là, on peut voir que c'était la première fois que j'avais dépassé les 100 viewers. C'était un samedi 9 août. C'est le premier jour où la chaîne avait comptabilisé plus de 100 viewers d'un coup sur le live. Et je me rappelle très bien, je crois que c'était très tôt. Hein. Je sais pas si on voit l'heure. 4 heures. Je sais pas si c'est aux heures FR ou pas. Bref. Je me rappelle très très bien parce que c'était pendant un live 24. Enfin, c'était plutôt un live où j'étais en vacances et du coup je m'étais permis de jouer très très tard avec un ami. Et je jouais à GTA V. J'avais galéré pendant un braquage. Et la première fois que tu déplaces les 100 viewers, c'est quelque chose de fort. Moi, je me rappelle que ce 9 août, je me rappelle plus de la date, mais bon, je me rappelle que c'était un 24 heures de live sur GTA V où j'avais atteint la première fois les 100 viewers. J'étais vraiment choqué, j'étais genre en live. Oh mon dieu, 100 viewers, c'est génial. Bref. Du coup, vous pouvez voir mes statistiques en temps réel au mois d'août. Donc, ceux qui veulent les étudier, allez-y, faites-vous plaisir. Je sais pas si vous voyez bien la page. Au mois de septembre, donc là, ça faisait déjà quelques mois que j'étais sur Twitch. J'avais même pas réussi à atteindre les 100 viewers au mois de septembre. Tout le mois de septembre, vous pouvez voir que j'ai galéré et que j'étais autour des 60, 40 viewers. Ensuite, au mois d'octobre, il y avait combien de viewers sur le live? Il n'y avait même pas 100 au mois d'octobre. Ah si, il y a là. Au mois d'octobre, fin octobre, la toute fin octobre, le 31 octobre, il y avait 108 viewers sur le live. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. Le 31 octobre, au mois de novembre, à la sortie de Black Ops 3, je vais vous montrer juste avant quelque chose. Donc vous pouvez voir mes vidéos non répertoriées, tout ça, bref, je pense qu'il y en a pas mal qui s'en foutent. Du coup, au mois de novembre, c'était la sortie de Black Ops 3 pour ceux qui le savent. Un jeu qui a été fortement attendu avec une grande impatience. Donc c'était où, je ne sais plus où est la vidéo. Voilà, juste ici, on peut voir que. Oula, que le 4 novembre, donc 2 jours, enfin. Un jour avant enfin, la sortie de Black Ops 3, j'avais exactement 3600 viewers sur la chaîne. On était 3600 viewers sur la chaîne. Voilà, on était 3600 viewers sur la chaîne. Followers. Et j'ai prévu un live de 36 heures que j'ai fait.
Je fais 36 heures de live pour les 3600 abonnés le 4 novembre. C'était juste pour la sortie de Black Ops 3, donc le week-end d'après, j'ai fait un live de 36 heures pour les 3600 abonnés de la chaîne. Et on peut voir que pendant ce live de 36 heures, je sais pas si on était pas là, on était maximum 168 sur le live. Et on peut voir que la chaîne, au mois de novembre, avait plus de 316 viewers, ce qui était un record depuis la création de la chaîne. C'est dur les gars, franchement c'est dur, ça a duré quelques fractions de secondes. Je sais pas quel jour, je parle pas anglais. On est arrivé à 304 viewers ce jour-là. Pendant quelques fractions de secondes, et c'était un 14 novembre du coup. Et on peut voir que sinon je galérais à 50, 60, voilà. Vous pouvez voir tous les jours de MiVos. Ensuite, au mois de décembre, donc là ça a commencé à devenir un petit peu intéressant, on faisait 115, 120, 160, 60, 75, 100, 200, 260. 289, on peut voir que tous les jours, il y a pas mal de monde, après le lendemain il y avait un peu moins de gens, 120, 100 et quelques, 200, 170, il y avait tous les jours du monde, jusqu'à ces jours-là, où il y avait plus de 340 personnes, ce qui était un nouveau record sur la chaîne, et on peut voir qu'après les autres jours, vu que j'étais sur le départ, comme vous pouvez voir, j'ai pas streamé de la semaine, parce que j'étais voir de la famille, donc ces jours-là, je streamais que quelques petites heures, et ensuite la reprise s'est faite avec 60 viewers, avec... 70 viewers avec plus de 200 viewers ensuite le lendemain. On peut voir que tous les jours ça a grimpé jusqu'à 454 viewers, qui était un record, un nouveau record de la chaîne. Le 31 décembre il me semble, le 31 décembre, le jour où on avait atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne, c'était ce jour là il y avait plus de 454 spectateurs sur le live, donc encore merci à vous tous. Et on peut voir qu'au mois de janvier c'est là que ça se gâte. Il y avait tous les jours 300, 350, 80, 369, 361, 210 viewers. Donc tous les jours, ça se passait très bien à ce niveau-là. Tout se passait bien depuis. Et ce jour-là, le 6 janvier, vous pouvez voir que je me suis fait attaquer par des bots. Et j'avais plus de 1078 spectateurs. Et après, vous pouvez voir que voilà, tous les jours, je me fais attaquer. Je crois qu'il y a que cette période-là où je ne me suis pas fait attaquer. On est arrivé à 300. Non, c'est de quelle période ? C'était pas celle-ci. Bref, il y a eu une période où je ne m'étais pas fait attaquer beaucoup pendant 3 jours. C'était peut-être celle-ci où on est arrivé à 129 spectateurs. Bref, il y avait vraiment une petite période où c'était peut-être celle-ci. Non, peut-être pas. Bref, toute cette période-là, depuis ce jour-là, je me fais attaquer tout simplement par des bots. Vous pouvez le voir. Je stream que quelques minutes. Avant, vous pouvez voir que je streamais des heures et des heures. Le temps de stream était élevé. Hop, je commençais à live. Il y avait des gens, on était plus. Et après, on était moins quand je disais que je vais arrêter. J'arrête. Voilà, il n'y avait plus personne. Vous pouvez voir que tous les jours, je streamais beaucoup. Là, j'ai beaucoup streamé le jour où je me suis fait attaquer. Les jours d'après, c'était qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord, j'arrête. Je reprends, j'arrête. Voilà, c'était que des je reprends et j'arrête. Parce que j'avais peur des conséquences, et là je streamais un petit peu plus parce que je savais que j'avais plus de conséquences. Là pareil, bon, je voyais, hop, j'arrêtais le stream une petite seconde, je reprenais après, ça et les bots revenaient, donc du coup voilà, je continuais, etc. etc. Là pareil, je reprenais, j'arrêtais. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, on a encore atteint les 1009 spectateurs, et vous pouvez voir tout simplement que je me fais littéralement attaquer par des bots, et depuis ce jour-là, je me fais littéralement attaquer par des bots, sinon ma chaîne a toujours été clean. J'ai jamais pris d'autres attaques de bots. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je streamais énormément beaucoup de temps. J'ai fait des grands lives, des lives très très longs. Je me suis toujours donné à fond pour ma chaîne. Et que jamais je me suis fait attaquer par des bots et incendier comme ça pour ces histoires. À l'heure actuelle, il y a quelqu'un qui m'attaque par des bots. Je sais pas si c'est la RST en question ou d'autres personnes extérieures. Tout ce que je peux voir à mon niveau, c'est que la RST, on parle tous les jours de ce problème. Tous les jours, viennent sur mes lives, viennent m'insulter. Et je me fais insulter aussi en nom de la RST, parce qu'il y a des bots sur mon live. Et oui, comme je l'ai dit depuis le 6 janvier, il y a des bots sur mon live. J'y peux rien. Je peux rien faire. J'ai contacté Twitch. J'ai eu un contact avec Twitch France, du coup, pour le partenariat. Il m'a dit d'attendre que ça se passe. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je me fais attaquer par des bots, j'en parle, et je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo, ça ne va pas être sur YouTube, mais bref.
Vous pouvez voir qu'il y a des bots tous les jours sur le live. Et que j'y peux rien. À mon niveau, je peux rien faire. Et que comme tout le monde est sur mon dos, ça n'arrange pas les choses. Comme beaucoup de viewers, streamers sont sur mon dos, je peux rien faire du tout. Et bref. C'est tout pour aujourd'hui pour la vidéo, les gars. Je pense pas que ça vous ait plu plus que ça. Moi, je suis honnête avec vous. J'ai toujours été honnête. Je ne ferai jamais de bots. Si vous pouvez, vous voulez voir mes statistiques, vous pouvez les voir quand vous voulez. Je me suis jamais boosté de ma vie et je le ferai jamais. Voilà. Depuis ce jour-là, rien ne va plus dans cette équipe, je sais plus. Bref, on peut voir. On peut tout voir en temps réel. Et si vous voulez voir n'importe quoi, venez me le demander. Je vous partage tout avec grand plaisir. Time, je sais pas trop quoi. Vous pouvez voir les heures que je stream, je pense. Bref. Bref, 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 bref. Voilà, je vous mens pas. On peut voir aussi les statistiques de com. 2000, 300, 900, 3000, 300, 300, 300, 200. Voilà, c'est au mois de décembre. Quand on faisait 5000 com, c'était énorme. Jusqu'au jour de l'an, on avait dépassé 10 000 commentaires, voilà. Là, au mois de janvier, 10 000, 9 000, 6 000, 4 000, 3 000. Là c'était le jour de l'attaque un peu moins, là voilà, là je stream et moins, on peut voir tous les... Le nombre de commentaires par jour que vous envoyez les gars, vous êtes des grands malades. 10 000. Aujourd'hui on avait fait plus de 11 000 avec les commandes, donc je sais pas si ça a compté, on avait fait plus de 11 000 commentaires. Donc vous se trouverez juste au-dessus quoi. Voilà. Moi je vous mens pas les gars, faites ce que vous voulez, croyez qui vous voulez. Voilà. Je peux tout vous montrer gars. Aucun souci, je sais pas à quoi ça sert. Visiblement rien. Mais voilà. Désolé, je pense pas que cette vidéo va être sur YouTube au final. Mais je suis plus sincère que vous possible. Jamais que vous mentirez, jamais je ferai du boost. Et puis bah voilà quoi. Je vous laisse. C'est tout pour moi. Ciao. Ciao, ciao tout le monde.